Je suis Madame Camara Nanima, sage-femme à l'hôpital en service maternité de Fourakaria. Je suis en contact aujourd'hui parce qu'il y a un monsieur qui a séjourné avec nous sans qu'on se rende compte qu'il est infecté. Et là où on prie, c'est ce monsieur là-bas, il vient et se couche là-bas. Le lendemain, maintenant, on vient, on fait son test, on trouve qu'il est positif. Quand je suis en contact, je ne dois pas venir au travail. Et si je suis à la maison, je dois être isolée parmi les autres membres de la famille. Je ne dois pas sortir, ni aller au marché, aller aux promenades, ni rien. Je reste tranquille à la maison. Bon, les aires de PAM sont importantes pour les contacts parce que vouloir rester à la maison sans bouger et sans faire les activités là où tu as l'habitude de faire, tu vas être un peu gêné par rapport à avoir le gain. Mais si le PAM vient au secours, là, tu es un peu à l'aise par rapport à la nourriture et autres. Vraiment, c'est très, très difficile pour moi parce que je ne peux pas venir. Je ne peux pas faire venir au travail, même à la maison aussi, blaguer avec mes enfants. Je ne peux pas blaguer avec mes enfants. Je suis toujours isolée dans ma chambre. Donc nous prenons toutes les dispositions pour que vraiment le personnel ne s'infecte pas. Raison pour laquelle nous tenons compte de tous les cas qui sont des cas contacts et les mettre vraiment dans les situations de contact, d'isolement, pour que si par hasard, le contact devenait positif comme ce dernier cas, qui ne transmette pas la maladie à d'autres. Raison pour laquelle, en cette période, je suis en isolement et je suis très heureux que PAM puisse faire la disposition de vivre pour nous permettre, pour ces 21 jours-là, et d'avoir une subsistance nous permettant de vivre décemment. Cet apport alimentaire est important pour les contacts, d'autant plus que vous savez que la plupart de la population guinéenne vit au quotidien. Donc avoir du vivre à la maison et parfois même du cash, ça permet d'avoir vraiment de la subsistance pour les 21 jours afin de rester à la maison et d'éviter tout déplacement qui est susceptible de contaminer d'autres personnes.